Voilà, je vous remercie beaucoup tous les quatre. C'était vraiment un moment passionnant dans les deux sens du terme. C'était intéressant et c'était aussi passionné. On sentait qu'on était vraiment dans un débat de conviction. Et comme on arrive au bout de cette journée, je vais peut-être pointer quelques lignes qui me semblent se dégager de toute cette réflexion depuis ce matin. Voilà, on était censé finir à 17h30, il est 17h27, mais je ne pense pas qu'on ira bien au-delà de 17h30. Je pense que ce que révèle cette journée de très important, c'est évidemment l'existence de pratiques de priorisation, de pratiques de tri malgré tout, mais aussi la nécessité quand même d'une explicitation de ces pratiques de priorisation. Alors ces pratiques, elles existent à plusieurs niveaux. Il me semble qu'on peut schématiquement en distinguer trois depuis ce matin. D'abord, de savoir finalement, ce qui relève du champ de la santé, donc ce qu'on investit très concrètement en termes de dépenses publiques dans la santé et dans d'autres champs. Premier niveau d'arbitrage. Deuxième niveau interne à la santé. Comment là aussi on établit des arbitrages qui peuvent être extrêmement divers. Et ensuite, à un niveau plus local, c'était l'objet de cette dernière table ronde dans les services, dans les hôpitaux, dans les établissements. Voilà. Alors, pourquoi il est nécessaire d'en arriver à une explicitation de ces pratiques de priorisation? Ça a été dit beaucoup, hein, en raison de l'existence de discrimination implicite, en raison aussi de l'argument notamment soulevé par Sophie Crozier de la surresponsabilisation. Je ne sais pas si c'est un terme adéquat, mais du fait qu'on fait beaucoup porter de responsabilité sur des soignants, responsabilité qui incombe aux citoyens, à la représentation nationale. Et puis, il y a cette règle discutable d'un point de vue éthique du premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc, j'ai relevé ces différents arguments. Je dirais dans un deuxième temps que ce chemin d'une explicitation des critères de la priorisation est semé d'embûches, de difficultés. Céline Lefebvre l'a montré notamment, et Sophie Crozier aussi, hein, en disant que l'explicitation pouvait paradoxalement effacer la logique du tri. En citant l'exemple de l'invocation de la non-malfaisance pour les personnes qui ne devraient pas être admises en réanimation parce que trop fragiles, en réalité parce qu'il y a des enjeux de priorisation. Donc, première embûche, et une deuxième embûche qui est de savoir comment. Dans cette explicitation, on intègre la démocratie en réalité. C'est-à-dire, et il me semble que il y a en fait cette question de la démocratie, elle se déplie à nouveau sur deux plans. Elle se déplie au niveau des citoyens, c'est-à-dire de savoir comment on prend en compte les opinions diverses des citoyens sur les critères de la priorisation. On a eu ici pas mal de réflexions sur ces points-là, et également avec l'intervention de Caroline Isambert, la proposition qu'il resterait bien sûr à détailler plus concrètement, mais des démarches de santé communautaire qui semblaient intéressantes. Mais cette question de la démocratie, elle se déplie aussi bien au niveau non pas seulement des citoyens et du choix de priorisation, mais aussi de savoir ce que simplement les personnes veulent pour elles-mêmes, les individus veulent pour eux-mêmes.
Et là, ça pose la question que posait Marc Fleurbaix en tout début de journée, de savoir comment on révèle les préférences individuelles à travers donc ce que les économistes appellent la disposition à payer, et comment on mesure cette disposition à payer. Voilà. Donc l'explicitation est quand même des critères de priorisation. Si elle est souhaitable, elle demande quand même des efforts à la fois théoriques, politiques et pratiques qui sont très importants. Raison pour laquelle peut-être elle n'est pas développée comme on le souhaiterait. Voilà. Et puis un dernier point que je voulais mentionner, c'est peut-être un au-delà de la priorisation ou du tri, selon le terme que l'on souhaite employer. C'est la question plus large des inégalités sociales de santé. On ne peut pas dire que ces inégalités sociales de santé révèlent un tri ou une priorisation, parce que ça supposerait qu'il y ait une intentionnalité. Ou une instance qui différencie des individus. Il y a aussi dans ces inégalités sociales de santé et surtout d'ailleurs des déterminants qui jouent dès la gestation des individus, dès leur naissance, dès même leur gestation, qui font que ils forment des valeurs. Des habitus, des habitudes qui vont ensuite déterminer leur exposition à des risques de maladie et leur longévité. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de tri ou de priorisation, il y a une inégalité première. Il y a aussi peut-être de l'auto-exclusion parfois. Bien sûr, la question de la valeur de la vie. Elle se pose aussi, et peut-être surtout d'ailleurs, je pense, à ce niveau-là, qui est donc au-delà du tri et de la priorisation. Voilà pour des remarques que je voulais tirer de cette journée. Je remercie évidemment tous les intervenants, tous les coordinateurs de cette journée, évidemment l'université Dauphine PSL. Je vous dis au revoir vous donne rendez-vous pour une prochaine journée éthique et économie, donc l'année prochaine.